Salut à tous, c'est Rayak et bienvenue pour la suite des aventures Dragon Dogma. Oui, je roule. Anus de lune, on connaît pas ça, on ramasse. Alors, bon, la dernière fois, il y a le monsieur là qui nous avait dit qu'on resterait que 3 jours, maximum une semaine en vie. Oui, sûrement. Mais c'est pas grave, allez, on va aller discuter, on va voir, ça va peut-être lancer de nouvelles quêtes. Someone's looking for me. Then this bit is home to stranger folk than even I'd imagined. An honest mistake, most like. I've been down here half an age, and not once have I known anyone to come calling. Now, will you have a look? So you don't forget it. Perfectionner? Quoi? Alors, l'esprit du dragon, c'est l'arme que j'ai pour le moment. Je peux la booster. Bon, ça va me coûter combien? J'ai pas fait gaffe. 130 000 quand même. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Oh, oh mon dieu, ce que je prends en... Waouh. Oui. C'est pas grave, on va sûrement gagner plein de sous. Après, il faut 5 trucs qu'on connaît pas. Ça... Waouh. On peut débloquer. Mon dieu. Oh mon dieu, d'accord, je comprends mieux. Ok, alors, et ça coûte pas cher. Ça, c'est pas mal. Ok, d'accord, et c'est une des quêtes où il fallait que je débloque. Ok, j'ai rien... Bon, après les foulards et les trucs comme ça, on... Oh, faudra peut-être que je vérifie s'ils sont pas meilleurs que ce que j'ai là. Parce que lui, 500... Ah, mais c'est des cristaux que ça utilise pour après... C'est pas des sous, c'est des cristaux. Bon, celui-là, il est pas dragonique, mais on va prendre celui-là. Ah oui, c'est des cristaux. Ah, mais ça va, les cristaux, j'en ai 1 million et quelques. Ça devrait aller. Chandrine, normalement, il y a rien. Ah, si, je peux lui booster ça, mais j'avais hésité. Pour le moment, elle est assez puissante, et pareil pour là. Normalement, j'ai ce qu'il faut, mais on verra plus tard. Il n'y a pas vraiment besoin. Compétences, est-ce qu'il y a des nouvelles compétences tiens, à apprendre? Je pense pas. Normalement je suis déjà à fond au niveau de mon... Enfin j'ai pas tout appris mais... je préfère en garder parce qu'au cas où, si à un moment je vais faire mes muses et passer en guerrier, garder un petit peu des points. Ou passer en archer, archer mage peut-être, ça pourrait être marrant. Non il n'y a pas de nouvelles, réduit les chances d'être envoyé en l'air. Si vous subissez des dégâts lorsque vous lancez un sort. Ouais mais j'ai rien pour le mettre. Augmente la puissance des attaques magiques qui envoient les ennemis dans les airs. J'en ai quasiment pas donc si j'ai juste le... Enfin, pardon j'en ai une. Mais c'est pas très grave. Après on peut acheter. Qu'est-ce qu'il nous vend le monsieur? Des remèdes. Qu'est-ce que... Oula je suis en état lourd là. Il va falloir que je... Je vois qu'est-ce qu'il fait. Poussière de nostalgie, une substance aromatique d'une époque révolue. Suffit de la respirer pour revenir à son état normal. Guéri de confusion, d'accord. Après l'eau bénite, liqueur de cocatrix, liquide extrait hein, guéri de la pétrification. C'est... Il n'en a qu'un? Saloperie. Mais on va le prendre. Je sais pas pourquoi, mais... C'est le truc qu'il va falloir prendre parce que j'ai été emmerdé pour cette dernière fois. Alors remettre connecté à partir du savoir-faire en cas permet de retrouver un niveau de défense normal. D'accord. Analeptique divin, médicament fabriqué à partir d'une recette alchimique secrète, restaure complètement votre vie. D'accord, vie max. Ou 7500 quand même le machin. En sens de vie, bâton aromatique imprégné d'une odeur apaisante, restaure complètement de la vie pour tout le groupe. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Alors, extrait de bête monstrueuse, donc c'est quoi? Vimax M. D'accord, c'est des versions après. Et patate séchée, 10 ans, ça fait 10 ans qu'elle c'est... Endurance au maximum. Après ici, bouteille de poids, ça on connaît. Talisman doré. Bonus fortune, d'accord. Augmente l'or obtenu. Ouais, faut le lancer, ça, je me souviens plus. Ou faut l'avoir dans son... Augmente l'expérience obtenue. D'accord, j'en ai un dans l'inventaire, mais on s'en fout. Pierre d'envol, une pierre magique qui téléporte son utilisateur à l'entrée du récif de la Mertube. Utilisable uniquement à l'intérieur du labyrinthe. Je vais en prendre une, au cas où. Ça pourra toujours servir, et on a tout vu. Après, équipement. Alors... Tout ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout.
Ah, déjà d'un coup, on voit les prix qui s'envolent. C'est. Non, la masse, on s'en fout. T'as pas des trucs pour Mago là, s'il te plaît? Non, ça c'est pourri, ça c'est pourri. Branche préférée. Lentin, plusieurs branches qui permet à l'utilisateur de mettre toute sa puissance dans l'attaque. D'accord. Grand bâton hélicoïdal. Bon, c'est toujours aussi pourri. C'est un petit peu nu même solaire. Providence du soleil. Ah, ça commence à rattraper. Le plein de soleil, son énergie vibre avec celle de l'utilisateur, accroît sa force. Ok. Est-ce qu'il y a plus gros? Non, il semblerait qu'il n'y ait pas plus gros. Ouh, il y a des arcs, ça sera sympa si jamais je bascule en niveau. Et si je regarde pour Chandrine, est-ce qu'il y aurait des trucs pour elle qui la boosteraient un petit peu? Alors, bon, bah non, il n'y a pas mieux que le. Le reste, c'est pour Paladin. Donc ça ne servira pas. Et après en arme, je pense que j'ai la meilleure arme pour elle, hein, de toute façon. Enfin, qu'elle peut équiper, hein, bien sûr. Ouais, voilà, j'ai pas mieux que celle-là. Donc, le reste, faudra à mon avis le dropper. Niveau armure, je pense qu'elle est déjà pas mal. Je pense qu'il n'y aura pas mieux. Je passe rapidos. Ta 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 ta. Bon, après, on tombe sur des trucs qu'elle ne peut plus porter. Ok. Je vais regarder pour moi, mais je doute que je trouve quelque chose de correct pour moi. Je suis à la fin. Qui me booste. Quoique il était pas très très loin celui-là. Oh, surcoût du cardinal. Il est joli. J'aime bien le design. Très sympa. Oh non, magie, défense magique, ça descend trop. À mon avis, on pourra jamais remonter aussi haut. Ou à moins qu'il faut que j'aille tuer un dragon pour avoir des chances de peut-être leur transformer en draconique en ayant le machin au niveau maximum. Hein, bon. Celle-là est pas mal, le gilet sacré. C'est le petit gilet sacré, a l'air d'être pas dégueulasse. Mais j'en ai deux dans l'inventaire, donc c'est. Enfin, j'en ai deux en stock, donc aucun intérêt. Mais bon, il y a un trophée à faire où il faut avoir 300 équipements, etc. Ça, je le ferai plus tard. Alors, coffre privé, on va déposer. Qu'est-ce que je vais pouvoir déposer qui semble lourd? Bouteille vide, j'en ai pas besoin. Bouteille d'eau, on les vire. Pierre d'envol, on va la garder. Là, j'ai reçu un nouveau truc. Ok, mais c'est que j'ai peut-être des équipements. Ah, ça, ouais. Sculpture macabre, on va la mettre de côté. Si, même si j'en ai besoin. Ouais, bon, même si j'en ai besoin plus tard, c'est pas très grave. Et après, c'est que j'ai 50 millions de caps sur moi. Mais je suis toujours aussi lourd. Ok. Qu'est-ce que je pourrais virer? Ça, c'est quoi? Non, je vais les donner à Chandrine. On verra après. Si vous possédez des armes ou armures qui ont acquis le pouvoir du dragon, vous pouvez les améliorer davantage en utilisant des cristaux de faille. Mission complétée. Cool. Avec plein d'XP. Alors, je voulais donner à Chandrine. Les sauces de rusty patate, c'est G. Oh, elle va me les gâcher toutes, je sens. Liqueur rouge. Allez, du moyen, on va lui donner. Voilà, ça m'a bien baissé parce que c'est des trucs qui pèsent. Surtout que j'ai les autres sources, j'en ai plein, donc j'ai pas obligé, je suis pas obligé d'avoir. Tiens, on va lui donner. J'ai pas besoin d'avoir tout sur moi. Voilà, sommeil, guérison, malédiction, cécité, etc. Bon, eh ben c'est parti pour un petit peu de visite aux alentours. Bon, ça, ils vont me le ramasser. C'est bon, cassez tout, bouteille vide, ça pourra servir. Ah bah tiens, il semblerait qu'elle est le surco, elle. D'accord, ok. Qui avait l'air d'être pas dégueulasse. Ils n'ont pas ramassé la plante. Bon allez, c'est parti, on va lui dire bonjour en bas. Bonjour. Corbeau, ça sert plus à rien. J'ai déjà tué les 50 corbeaux que je devais buter. Alors, j'adore le look de la zone. Ah, ça sent le la bestiole là. Démarrer par un petit. Oh, qu'est-ce que des lapins? Plein de lapins qui vont devenir méchants. Bon, j'en ai déjà plein. Allez, ramassez-la. Sérieux, ramassez. Non, ils veulent pas. C'est des fois, j'ai pas encore compris vraiment quand est-ce qu'on pouvait les faire ramasser ou quand ils ramassent. Alors ça là-bas, c'est quoi? Ah, mais il y a plein d'animaux. Ok. Là, il y a une porte. Comme vous pouvez le voir.
Non, il y a si, il y a quoi? Bouteille vide, ramassée après. Et là, il y a une porte. Entrée. Alors, attends, on va finir de visiter un petit peu tout le tour. Avant, on ne sait jamais, trésor et autres. Là, il y a une porte aussi. Alors là, si ça marque ouvrir, je vais le faire. Parce que entrer, ça me fait changer de zone. Et ouvrir, ouvrir, je ne changerai pas de zone. Examiner. Vous avez besoin de la gemme du rayon de lune. Ok. Bon, je suppose qu'elle doit pas être là, hein, mais... Je vais peut-être pas casser celui-là, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Jus de rustipatate, allez-y, ramassez, ça vous fera des équipements. Là, je parie qu'il faut pareil. Du gemme du rayon de lune. Allez, on récupère tout ce qu'on a à récupérer. De toute façon, est-ce qu'on peut sauter plus haut? Non, donc je peux casser sans remords. C'est bon, vous ramassez la truc ou faut qu'on vous aide? C'est bon. Parfait. Allez! Yo! On a fini de visiter. On continue tranquille. Oh, bah un petit coffre. Parfait. Là, elle est en train de fouiller, je sais pas quoi. Access. Certains objets trouvés sur le récif de l'aventure ont été maudits à l'aide d'une puissante magie et leurs effets sont inconnus. Il y a une jeune femme près de la baie, Olra, elle possède une excellente connaissance sur les malédictions. Alors je sais pas qui c'est qui l'a pris, si c'est moi, mais c'est pas grave. Ok, on a trouvé notre premier item maudit. Donc on ira faire un petit tour avant la fin, je pense. Alors je voudrais trouver un endroit si je peux TP. Ouvrir. Ça c'est déjà bien. Avancer. Allez. Oh putain. Avance. Ok. En haut, en bas. Même combat. On visite la zone. Hein. Je fais faire zone par zone, tranquillou. Pas prendre de risques. Bon, c'est bon, on trouve des petits coffres, des trucs comme ça en haut. Bonjour. Alors, il y a quoi dedans? Une agrégat de failles. C'est dingue le nombre de cristaux, enfin de cristaux de failles qu'on récupère ici. C'est wow. Bon, c'est peut-être fait exprès aussi, puisqu'on en a besoin pour booster les armures, les armes, etc. Donc, je pense qu'après après avoir fait ce passage-là, le reste du jeu, ça va être du gâteau. Hein. Enfin, je pense. Hein. Parce qu'on va être tellement boosté, équipé. Le truc qui a fait un bond. On va être tellement boosté, équipé ou autre qu'on va tout défoncer sa race, comme qui dirait. Éclat du pierre de réveil. Ça, c'est bien pour ressusciter. Faudrait que je pense en avoir une sur moi. Bracelet d'ange, on va le ramasser. Faudra qu'on teste un petit peu ces trucs parce que je les ai pas utilisés une seule fois de l'aventure. Ok, donc on a visité ici tranquillou. On va partir pour la suite. Ah, je vous dis pas, c'est vachement plaisant Bah là, je découvre quoi. Je connais pas, donc je ne sais pas où aller. Donc je risque de me paumer des fois. Hein. Je ne sais pas où aller. Mais c'est génial parce qu'on découvre plein de nouveaux trucs. Il va y avoir peut-être quelques nouvelles mécaniques. Enfin, le jeu en lui-même va pas changer, mais ça va nous rajouter 2-3 petits trucs. Et ça, c'est... Voilà, cristal de faille. Allez, on en récupère encore plein. Ça c'est plutôt top. Il y a plein de portes par là-bas. Ça c'est bloqué. Ça doit être pour plus tard. On va essayer, mais voilà, examiner. La porte est fermée par une clé spéciale. Vous avez besoin de la clé du vide. Ok, donc déjà il y a deux items qu'il va falloir qu'on trouve. Alors je vais essayer de tout piller hein, dans le truc. Hein. Alors, après j'aimerais bien cet épisode me battre contre un boss. Ce serait plutôt cool. Bah encore un. D'accord. Puis en plus, j'adore, c'est équipement de l'amertume niveau 1. Donc supposer qu'il y aura peut-être des niveaux 2 ou plus. En réfléchissant un minimum. Alors on va essayer de finir de fouiller parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein là. Énorme bourse. Ok. Là. Ah, il semblerait qu'il y a peut-être quelque chose là-haut. Moi, je pense pas, mais on sait jamais. Ok, vas-y, récupère. Non, pas de la pierre, s'il te plaît. Essaye de me récupérer quand même des trucs intéressants, quoi. Salut la biche. Non, je ne te tuerai point. Pas pour le moment. Pierre de lune. Ok. Vas-y, continue à récupérer. Repierre de lune. Et... Ok. C'est le spot à pierre de lune.
Ok, nouveau coffre. Allez, casser tout. Robe de missionnaire. Bon, je vais être complètement lourd. Non, mais c'est pas le... Merde. Désolé, désolé, je voulais pas vous tuer, désolé. Bon, c'est pas grave. J'ai massacré tout le monde. Bonjour. Moi, mon surnom, c'est Bourine. Ah, non, mais... Alors, je suis trop lourd. On va regarder l'équipement. Je pense qu'à mon avis, la robe va être pas terrible. Ouais, c'est... Voilà, c'est ce que je pensais, hein. Fait quoi de spécial? Robe popularisée par les disciples de la foi qui portent, qui la portent pour chanter leur credo par le monde. Ok, assez bon pour Archimage. Ok, d'accord, on va l'affiler à... Oups. À un qui est léger là, voilà. Puis s'il l'équipe, il l'équipe. Je pense pas hein, que les pions équipent les trucs. Bon, désolé Bichenko, hein, si je ne voulais pas vous tuer. Désolé, excusez-moi. C'est bon, t'as fini? Ok, elle a fini, parfait. J'avais cru que c'était un coffre. Non, ce n'était qu'un caillou. Vous pouvez pas fouiller ici, là? Allez, fouille. Bon, je vais commencer à fouiller, il y en a qui vont venir me... Bracelet d'ange. Crâne. Et je parle. Merci. Et là, à mon avis, il va falloir... Examinez. Vous avez besoin d'une gemme du rayon de lune. Encore? Mais il en faut combien? Là pour le moment ça fait 3. Là, est-ce qu'on peut grimper? Il semblerait qu'on puisse aller un petit peu. Bon, pas très haut. Là, je pense pas qu'on puisse aller plus loin. Là, on fait du Tomb Raider là. Bonjour, Dragon Dogma Raider. Non, en plus j'ai pas le double saut ici, donc avec ce perso. Ok, il y a un coffre là-bas, il y a des caisses. Voilà, ramassez ce que vous avez à ramasser. Pendant ce temps-là, moi, je vais ouvrir le coffre et qui me donne un parfum apaisant. Ok. Recoffre encore. Ah, mais dis donc, mais ils sont généreux là. Je sens le truc bien chiant. Éclat de paire de réveil, il m'en faudra encore une. Et là, il faudra, à mon avis, pareil. J'aime le rayon de lune, donc il en faut 4 pour le moment, de ce que j'ai vu. Ok, ou même 5. Ok, 5. Donc il va falloir trouver 5 gemmes en espérant qu'on puisse faire les 5 et qu'on n'ait pas le choix de prendre la porte et qu'on prenne une mauvaise et que je sois obligé de tout reset et de tout refaire depuis le début. Non, ce serait pas cool. Ça y est, je commence à penser à des trucs mauvais, là. Ça va pas le faire. Allez. Go, on passe à la zone suivante. J'ai passé déjà presque 20 minutes à rien, pas d'action. Ça va être pas mal. Ça va être l'épisode de l'inaction totale. Alors, la prison des regrets. Ok. Nous avançons tranquille. Tranquillement. Ok, vas-y, ramasse. Il n'y a pas de problème. Eux, ils sont un peu morus. Alors, va-t-on dire bonjour à notre tout premier boss d'ici peu? Ok, il passe par là. Ouais. Ok, on passe par là, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Examinez. Une pierre de faille brisée, vous pouvez la restaurer si vous utilisez des cristaux de faille. Oui. Si ça permet de TP, je retourne en ville. Hein. Ah mais non, mais c'est... Oui, c'est pour avoir des petits bonhommes. Enfin, pour recruter. Oui, c'est pour... c'est pour recruter. J'ai pas envie de recruter pour le moment. Livre de la fulgurance. On va le ramasser. Ça fait quoi? Alors... Livre de la fulgurance. Un traité de magie d'un auteur oublié depuis longtemps. Il renferme le pouvoir du tonnerre. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai récupéré quoi? Équipement, une babiole bizarre frappée d'une malédiction mystérieuse. Qu'on va falloir. Alors, je vais regarder un truc. Est-ce que je peux utiliser ma pierre? C'est inutile pour l'instant. D'accord. Bah, allez-y, allez-y. Moi, je vais me booster charme en attendant. Oh mon dieu, il a l'air d'être costaud, lui. Oh, ils ont l'air d'être... What de Dieu! Bon, il m'a pas fait trop mal. Mais c'est quoi ces machins?
Bon, ils ont pas l'air d'aimer non plus. Vite. Allez, 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 boost. Voilà. Non, j'ai pas réussi à lancer mon super sort. Bon, 800, ça donne, ça va, c'est pas... Hate Fire, il hate sacré aussi, hein. Il hate plus sacré, j'ai l'impression. Ok, ils ont rien droppé. Ou s'ils ont droppé, ils ont ramassé. Alors, il y a plein de portes. Eh ben, on va toutes les faire, hein. Ah, j'aurais utilisé une clé squelette par pur hasard. Oh, mon dieu, trois coffres. Cool. Alors, une cape sauvage. On regardera plus tard. Nous avons un équipement de l'amertume niveau 1, encore un. Et ils ont ramassé un autre truc, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Donc il faut que j'utilise des clés squelettes. Ça va, j'en ai 6. Et puis c'est bien, ça va me baisser un petit peu le... non, on l'a pas ouvert celui-là. Si je fais cliquer ouvert... Clé squelette, d'accord. Donc il faudrait que j'aille en refaire quelques-unes. Ah, copain. Oh, ça a l'air d'être... C'est du gros, ça. What? Qu'est-ce qu'il m'a fait? D'accord, ils sont en face. Wouah! Bon, ça va, heureusement que je suis costaud. Hein. Ça y est, c'est fini. Alors, chapeau de magicien. Je crois que j'en avais déjà. Hein. Fer! Cool! Je vais pouvoir me refaire une clé squelette. Hop, un amas de failles. Ok. Tiens, c'est bizarre là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu passer parce qu'il y a un trou? Bon, c'est pas grave. Allez, on avance. Alors, l'épisode risque d'être un peu long, hein, mais c'est pas grave. Je vais, il va mettre 3 heures à uploader, 3 ou 4 heures à uploader, ça va être génial. Parce que l'upload est, on va dire, à peu près pour un épisode de 30 minutes de Dragon Dogma. Selon comment le logiciel me l'a compressé, ça peut aller de minimum 2 heures d'upload à 3h30, 4h. Donc bon, il y a parfois... c'est un peu long, désolé. C'est pour ça que les épisodes n'arrivent pas tout le temps à la même heure et le même jour. On va dire par exemple, je prends un exemple, les épisodes de... comment ça s'appelle, de... d'Hearthstone. Eux mettent... Pardon, excusez-moi, je m'occupe de ces messieurs. Ouais, les épisodes, eux, font beaucoup moins en taille. Ils font 400 kilos pour une demi-heure. Et parce qu'il les il arrive à mieux les compresser. Il y a plein de trucs de faille et une clé squelette, cool. Flocon de faille. Rune de force. C'est bon, vous avez tout ramassé. Alors, vous cassez pas la gueule, hein, parce que là, c'est mort assuré. Je pense qu'en plus, c'est de l'eau. Donc ça veut dire mort assurée. Et il y a une chose qu'il faudrait que je pense à faire, c'est à faire une sauvegarde. Avant d'aller dans des gros trucs. Parce que là... Donc c'est de là que j'arrive. Là, il y a de l'eau. Alors je vais pas prendre de risque. Petite sauvegarde, parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Hein. Surtout s'il y a des grosses bastons. Puis on sait jamais, on peut tomber sur des gros, des grosses bestioles. Et là, comme on est sur le bord de tomber, c'est fatal. Oh, plein de copines araignées. Il y a quoi dans le coffre? Panacée, ramasse pas. Oh! On se calme, l'araignée. C'est bon, vous voulez pas ramasser. Clé squelette par là, donc examiner. Alors, ce n'a souffle pas, c'est sûrement relié à une sorte de mécanisme. Ok. Concordial énergétique. Bon, ils ont pas voulu ramasser. Alors, en cassant les trucs, qu'est-ce qu'ils vont ramasser? Ah, mais il en reste une là. Sale bête, meurs. Meurs, engeance démoniaque. Ah non, pardon, pauvre araignée. Allez, go. Roche volcaïque. Il y a une épée plantée. Ah, vas-y, vas-y, continue à miner. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est bien. J'ai bien fait. J'ai bien fait de lui... Oh non, merci. J'ai bien fait le... de lui donner... une pioche. Un bolet.
Putain, le fléau des mages. Putain, il y a du coffre tous les 2 secondes, quoi. Oh, cool, encore un. Alors, je vais remonter. Je vais juste remonter un petit peu parce que je suis en train de regarder. Ah non, ça a l'air d'être un cul-de-sac, mais je vais regarder au fond. Là, c'est quoi? Levier, cul-de-sac. Bah, j'ai loupé le levier, moi. Désolé, je remonte. Attends. J'ai loupé un levier. C'est quoi ce beans? Reviens. Levier, où es-tu? Ah oui, bah oui, il y a un coffre au bout. On va le récupérer quand même. Non. What? C'est le cauchemar des mages. Les chauves-souris. Elles me font super mal, quoi. What? Oh mon dieu, les coffres piégés, j'hallucine, j'adore. Ouh, on va y aller haut. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole de malade? Voilà. C'est quoi cette chose? Alors ça craint pas le feu? Elle est où? Elle s'est barrée? C'est quoi ce machin? Elle est encore là, là, la bestiole, ou elle s'est barrée? Waouh! Mon dieu, mais les créatures qui me défoncent, quoi. Alors le levier. Le levier, normalement, ils me disent que le levier est... Et... Ah mais il est en face d'accord de la porte. Donc je peux pas y aller, c'est normal, on redescend. Mon dieu, on a failli se faire défoncer là. Enfin, j'ai mes deux pions qui se sont fait exploser la tronche. Donc c'est comme dans WoW en fait, hein. S'il y a un truc qui traîne au sol, faut le péter. C'est radical. Bon, ils veulent pas me ramener. Ah, copain. Ah. Oh, joli le squelette géant là. Bon, ça va, il est pas trop costaud, donc ça va. Ah, j'ai perdu mon pouvoir sacré. 2300 XP, on va pas se plaindre. Alors, vous avez ramassé, vas-y, ramassez. Il y a un petit coffre. Il y a quoi dedans? Un autre 600, vas-y, ramasse. Ok. Je vais me rebooster en sacré. Ah oui, je suis extrêmement prudent, hein, je vous le dis. Enfin, sauf quand j'ouvre un coffre. Mais la plupart du temps, je suis plutôt assez prudent. Ok, il y a des trucs par derrière. Là, on peut monter. Il y a quoi? Il y a un coffre. Et tu récupères quoi? Un flacon étanche, une pierre d'envol. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on pourra retourner au début. Mais bon, si on est obligé de se retaper tout le chemin... Alors là, on peut continuer. Donc, j'ai deux chemins possibles. Là, il n'y a rien. Ça, on peut le casser. Il y avait quoi là-dedans? D'accord, pas d'assez. Ok. Là, en bas... Oh, une grande porte avec une grande salle. Ce ne serait-il pas un petit boss? On va aller voir après. Parce que là, il y a un chemin encore par là. Qui, à mon avis, ouvre un raccourci vers le... On va voir. Si je me trompe ou pas. Ou alors ça continue encore loin. Putain, ils ont mis 50 millions d'embranchements, hein. Vive le sacré. Ok, allez, ramasser un peu tout. Défaire, oui. Je vais les ramasser. Oh, surcharger. On va les... Je vais les combiner. Ça me... Ouh, il y a un monsieur qui veut me taper. Alors, faire... combiner avec... c'est quoi? De la ferraille, oui. Non, j'en ai pas. J'ai rien pour combiner sur moi. C'est dans le coffre. Qu'est-ce que je vais pouvoir me débarrasser? Ça, c'est un peu lourd, on va le donner. Par là. Il y a quoi qui pèse super lourd? J'ai ramassé un casque. Hop.
On va le donner ici. Voilà, je suis plus qu'en mode très lourd. Non, là, il n'y a rien. Là, j'ai toujours... C'est dingue, hein, la vitesse où on est lourd dans ce jeu. C'est impressionnant. Le crâne, là, qui... Voilà, on va le donner. Le bouquin, on va le donner aussi. Je l'utiliserai pas. Je suis déjà mage. Les bracelets de l'ange. On va en donner un. Je vais en garder la pierre d'envol. D'accord, c'est ça qui est lourd. Je suis toujours en très lourd. Mais qu'est-ce que j'ai ramassé qui est si lourd que ça? Ou alors j'ai un malus sur la tronche. Je vais aller vérifier mon statut. Statut, sorcier. Attaque, défense. Effet négatif. Lenteur, sommeil, silence. Bon, ça c'est les conditions, bastion, enchantement sacré. Ouais. Non, bah j'ai pas de truc sur la tronche pour le moment. Et c'est pas l'équipement. Bon, c'est pas grave. On va s'occuper du monsieur. Voilà, 800 XP de plus, c'est nickel. Un petit coffre supplémentaire. Va falloir que je vérifie un petit peu. Tenue de soldat, je vous laisse ramasser les gars. Ramasser. Alors attendez, faut que je vide un peu. Je pense que j'ai trop de potions ou un truc comme ça. Hein. Ça fait quoi? Endurance G, on va le donner là. Voilà. Parfum apaisant, permet. Ouf. Voilà. Liqueur cocatrice, on va la garder. Ça, on le garde. Rusty patate, les deux là. Hop, on va les donner. Ah, j'arrive pas à baisser, hein, pourtant. Bon, j'ai peut-être encore trop de trucs. C'est quoi? Terra plante G. Poison. M. Hop, donner. Tiens, toi, t'en auras le droit aussi un peu. Ça va me baisser un petit peu. Pas grand-chose. Ah ouais, le lait de Rusty Patate, c'est vas-y quoi. Je vais en enlever 3. Ça devrait aider un peu. Mais je suis toujours en état lourd. Ok, ça ce sera bien si je tombe sur un gros gros boss. Faudrait que j'y pense. Je pense jamais à utiliser ces popos. Hein. C'est impressionnant parce que ça permettrait. Bon, je pense qu'il y a les fers qui pèsent trop lourd. On va les donner ici. Voilà, je suis revenu en moyen. Bon, alors, obligé de la ramasser pour leur donner. Ah non, je suis toujours en moyen. Bon, c'est bon, on reste en moyen. Rubis de... Sérieux, t'as un truc comme ça et tu le ramasses pas? Non, mais c'est quoi? C'est PNJ qui bosse pas. Ça a l'air d'être pas loin le... Il y a encore un coffre, il y a quoi dedans? Camé de DS, tiens, ramasse. Voilà. Bon, ça va, j'ai pris 0 dégâts, c'est bon. faut dire qu'avec un équipement dragon, en général, on n'est pas trop ennuyé. Ça a l'air d'être là-haut. Est-ce qu'on peut monter? Il y a un moyen de monter, là? Alors, si je gruge en faisant ça. Pardon, excusez-moi. Bon, je pense que les autres vont pas réussir à me rejoindre comme ça. Il y a le levier qui est là. C'est au cas où le squelette se réveille, ça. Voilà, ça fera un petit raccourci. Et un autre équipement de l'amertume. Ok, allez hop, on descend. Et bon, de toute façon, l'épisode, je suis déjà à 34 minutes, mais je vais essayer d'aller visiter la grande salle. Si un boss, je me tape le boss. Sinon, je stopperai l'épisode. Et il y aura l'exploration lundi prochain. Alors, c'est parti, on descend. Tranquille. On va courir un peu. Oh, un petit boss, ce serait sympa quand même. Non, ça n'a pas l'air d'être un... Ah, quoique. Oh mon dieu. Baston! Fragment de faille qu'elle a récupéré, d'accord. Ça ressemble quand même à un truc avec des monstres là, dans les hauteurs là.
Ah, il y a l'entrée. Allez, je vais regarder derrière l'entrée. S'il y a boss, baston, grosse baston. Je sais pas s'ils ont ramassé, mais ils ont ramassé. Sinon, eh ben, ce sera suite, prochain épisode. Nous verrons ça tout de suite. La spirale de minuit. Déjà, il fait nuit. C'est pas mal. Alors, un petit coup de... Voilà, on verra un peu mieux. Pavé avarié, ok. Allez, je descends. J'ai envie de continuer, hein, je vous le dis franchement. Oh, ça sent, oh, ça sent le petit boss là. Je sais pas pourquoi. Il y a une grosse masse là posée. C'est bon, tu parles? Ouais, regardez ça. Oh, et c'est pas tout seul. Il y a du monde. Alors, je ne sais pas si je peux le toucher de là. On va voir. Non. Ok, bon. Eh ben c'est parti pour une petite baston contre un cyclope. Ce serait top si j'arrive à tuer le truc qui est là-bas. On va aller vite essayer de monter les escaliers pour le buter. Et là, c'est parti pour une petite bastounette. Tiens, toi là-bas là. Toi tu m'énerves. Voilà, tu lanceras plus de sorts sur notre gueule. Wow, je reste pas là-dedans. Il y en a un autre ou quoi? Putain, il y en a plus haut. Pardon, j'ai failli me casser la gueule. Faut que je m'occupe de ces trucs. Rapidos. Il est où l'autre? Je le vois pas. Là, il y en avait un là-bas. Il est où? Je le vois pas. Agrégat de faille, c'est bien. C'est qui que je touche non? C'est le cyclope. Ah, il est là. Je le vois pas. Non. Waouh, c'est quoi cet endroit? En plus on peut se casser la gueule, c'est quoi? C'est une gargouille ça! Saloperie! Je crois qu'en plus c'est immunisé feu, non? Enfin c'est immunisé... Waouh, à l'aide! À l'aide! Qu'est-ce qu'elle m'a balancé? Pétrification, d'accord. Option. C'est con de mourir ici, j'ai pas sauvegardé. J'en ai pris qu'un quand même. Il est où? Où es-tu, mon truc qui va me sauver? Non, c'est pas là, c'est là-dedans. C'était quoi? C'était ma chaîne cocatrice. Voilà. Je pense que je ne fais pas de dégâts avec ça. Ouais, ça craint pas le... Donc je suis dans une zone pas facile là, on me dira. Ils ont réussi à le tuer ou pas? Là en plus on est en train de se faire shooter en même temps par des mages. Alors j'arrête pas en plein milieu, hein, je vais continuer tranquille. L'autre il est en train de se réveiller là. Ouah! Voilà. Ouais, faut pas que lui... Me shoot! Non! Vite, je me planque. Faut pas qu'elle m'attrape, sinon elle va me pétrifier et je suis mort. Ils sont où les autres? Oh, faudrait venir par là, je suis en train de me faire agresser. Putain, mais qui sont débiles ces pions parfois.
Oh putain. Et en plus si elle me cible. Mais oh, vous venez les glands ou quoi? Putain, mais c'est, en plus je fais zéro dégâts dessus, donc ah, c'est chiant quand les personnages ne viennent pas derrière pour t'aider. Ça y est, tu t'en occupes ou... Ça y est, tu l'excites. Eh bien, il était temps. Est-ce que je lui fais des dégâts comme ça? Même pas, je crois, en plus. Allô? Putain, mais ils sont débiles, ces pions. Mais c'est pas possible. Ah, c'est exaspérant, quoi. Leur débilité profonde, quoi. Putain, je suis en train de me faire agresser. J'appelle à l'aide. Il n'y en a aucun qui vient me donner un coup de main. Oh mon dieu. Vous me voyez en mode rage, là, un peu. Les gars, on est en train de se faire bourriner. Vous pouvez pas faire quelque chose, là, contre cette merde? Moi, je fais zéro dégâts dessus. Ça y est? Oh mon dieu, 25 minutes pour tuer un mob. Et l'autre, il est toujours emprisonné. Je sais pas si on le tue ou pas. Bon allez, je continue. J'ai envie de continuer. Mais... Oh la rage complète là. Ah non mais... Ah non, putain, il y a encore du monde. Venez ou quoi? Par ici. Qui font pop. Faudrait absolument que j'arrive à faire des combinaisons pour me faire des popos de résistance au... Non mais on s'en fout, je veux pas que vous ayez le tuer, ça sert à rien, on va pas tuer un mec qui est accroché. Bon, faut aller le buter je pense, donc on y va. C'est con hein, parce qu'on va tuer un truc, ça va pas être marrant. C'est, les pions n'arrivent pas à passer outre, donc... on se fait agresser par je ne sais quoi, mais on va descendre. Voilà, comme ça ils vont être contents. Ils vont peut-être réfléchir un minimum. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde hein, pour le qu'il faut le buter, mais ils ont l'air de pas écouter les pions. Alors on récupère de l'endurance et on va dégommer. Voilà. Et il est plus grand que les autres, j'ai l'impression, celui-là. Voilà. Ils sont en train de monter tranquille dessus. Bonjour. Ouais, ça fait pas de dégâts. Hein. À mon avis, il y a le casque qui protège. Électricité. Ah ouais, l'électricité fait mal. Ah, ça y est, voilà. Bon, c'est parti. Donc ça craint l'électrique. L'autre, elle est en haut. Les deux sont en haut en train de lui défoncer la tête. J'adore. Ah, ils sont plus vicieux que les... Voilà. Comme ça, vous aurez votre petite baston. Il va pas la bouffer quand même. On va s'approcher que les trucs lui fassent mal, là. C'est celui-là, le vortex électrique. On va voir si on va pouvoir lui faire bobo. Il me marche dessus, là. Ok. Ok. Aïe, heureusement qu'on était dans le truc de soin. Hein. Ok. Aïe. Voilà, c'était une mauvaise idée. Vous vouliez l'attaquer, les gars. Eh ben voilà. Subissez. Faudrait que j'arrive à lui... Ah non, c'est après moi qu'il en veut. Voilà, je suis mort. Génial. Bien. Eh ben, on va arrêter là. Il est costaud, hein.
Bon, ça va, je suis pas très loin, mais je pense que je suis obligé de refaire une partie du. Une partie du truc. Ouais. Ok. Bon, ça va, c'est pas très très loin, donc ça va. Il m'avait gardé au niveau, le sauvegardé au moment où je suis descendu. Donc voilà, bah, la prochaine fois, le prochain épisode, ce sera la baston, une vraie très grosse baston contre le cyclope. Enfin, le super cyclope, parce qu'il a l'air d'être quand même assez balèze par rapport aux autres. Voilà, allez, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Facebook, Twitter, Gossim, Twitch et le... J'ai tout dit. Je crois que j'ai rien oublié. Le petit pouce up, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Dragon Dogma. Allez, bye bye!